Première émission des Jeux de 20h, nous jouons avec Bordeaux. Bonsoir Bordeaux, bonsoir Jean-Pierre. Eh bien bonsoir Jacques Solness, beaucoup de monde en effet dans notre studio de notre station régionale Bordeaux. D'ailleurs ils vont faire un petit peu de bruit pour bien qu'on voit qu'ils sont tous là, voilà. Oui, ils sont là, oui, oui. Et ils ont déjà été sélectionnés, ils sont prêts à jouer à de nombreux jeux, ils sont en pleine forme. Et nous avons dans le hall par contre d'autres candidats qui attendent d'être sélectionnés en compagnie de Dominique Sandrel. Ça va Dominique ? Bonsoir Jacques, ça va très bien. D'ailleurs vous allez entendre la voix de mes Bordelais. Bonsoir ! Parfait, tout va bien Dominique. Quant à nous, bien. Nous sommes prêts également dans le studio. Ce soir nos candidats vont jouer avec Micheline Dax. Bonsoir Micheline. Bonsoir. Bonsoir, on l'applaudit. Avec Jean Valton. Oh. D'habitude il s'applaudit lui-même, là non, c'est pas. Et Robert Rocca. Oh. Et alors là maintenant, un grand moment de cette émission, je vous demande un peu de silence, un peu de recueillement. Je vous présente Maître Capello. Non. Si, c'est lui, Maître Capello, arbitre du beau langage, trésorier et juge unique de cette émission. Maître Capello, candidat de Bordeaux, Maître Capello a sélectionné pour vous une phrase d'un auteur connu. Cette phrase, vous allez devoir la reconstituer en fin d'émission, mais pour avoir le droit de la reconstituer, vous allez subir quelques épreuves préliminaires. Cette phrase, nous la regardons ensemble, elle vaut 1000 francs pour l'instant. Elle comporte 8 mots, le, les et bien entendu 5 autres mots. Et chaque candidat qui trouvera un mot de cette phrase, eh bien fera augmenter la valeur de cette phrase de 1000 francs. Donc pour l'instant, elle vaut 1000 francs, nous y reviendrons tout à l'heure, et nous espérons que les candidats vont faire grossir la valeur de cette phrase et empocher le contenu du petit cochon rose de Jacques Capelovici qui est ici. Si vous avez des idées, Micheline, Jean, Robert, surtout ne vous gênez pas, tout à l'heure, en fin d'émission, nous vous les demanderons. Voilà, eh bien pour l'instant, commençons notre sélection avec un premier jeu. Dominique ? Oui, voilà. La première candidate est en place, à ce que je vois ? Oui, c'est une jolie Florence. Peut-on lui demander son prénom ? Florence. Florence, c'est une jolie non, fleur. Non, vous êtes émue. Oui, mais excusez, j'avais compris, fleur, Florence. Ah, Florence. Très bien, bonsoir Florence. Bonsoir. Eh bien Florence, vous avez lu ce matin dans le journal Sud-Ouest le mot calumet au pluriel, oui. Comme celui qui est affiché là, bien entendu, et vous avez donc eu tout le temps de vous préparer. Maintenant, Micheline Dax va tenter de vous faire deviner un mot issu des lettres de calumet en vous proposant une définition de son cru. Nous sommes bien d'accord ? Oui. Bien, alors attention, nous jouons pour 2 minutes. Top chrono, Micheline, c'est à vous. Alors, Florence, je vais tout de suite commencer par un mot difficile, parce que je suis très méchant. Je vais prendre un mot de 6 lettres, carrément. Ça ne vous gêne pas, Jacques ? Non, pas du tout. Pas du tout, très bien. Alors, un mot de 6 lettres, et je vous dis, ceux de Charlie Chaplin ont fait de l'or. De Charlie Chaplin ont fait de l'or. Une autre définition. Alors, je vous dis dangereux sur la route. Laurence, dangereux sur la route. Un mot de 6 lettres. Combien de lettres ? 6 lettres. 6 également. Une troisième définition, Micheline. Alors, toujours au pluriel, hein ? Casse toujours quand on est pressé. Casse toujours quand on est pressé. Alors, attention, je compte, Florence, malheureusement. 1, 2, 3. Florence, je suis désolé, vous n'êtes pas sélectionnée, mais vous gagnez tout de même 2 places de cinéma gratuites dans un cinéma de votre choix à Bordeaux. Un autre merci. Candidat, s'il vous plaît. Quel voilà. est le mot, s'il vous plaît ? Des lacets. Des lacets, bien entendu. Un autre candidat est en place. Oui, bien sûr. Madame, votre Madame, nom. Madame Keller. Madame voilà. Keller, Micheline, à vous. Mon Dieu. Vite, Micheline. Alors, un mot de 3 lettres, Madame. Son histoire a défrayé la chronique. Son histoire a défrayé la chronique. Une autre définition, Micheline. La réponse coule de source, madame. Lac. Non. Lac. Non. Non. S'il vous plaît. Chut, on ne souffle pas. Une autre l'eau. Définition. Oui, oui, vite. Oui. L'eau. Oui, madame, vous êtes sélectionnée. Bravo. Voilà. Vous allez très vite retrouver Jean-Pierre et vous avez d'ores et déjà gagné 50 francs.
Bonsoir. Très vite, bonsoir. Micheline, une autre définition pour essayer de sélectionner. Alors, un mot de trois lettres. Il peut être gros ou fin. Une autre définition. Chut, on ne souffle pas. Peut-être bon, alors une autre définition. Oui, vite, Micheline, vite. L'esprit n'en manque pas. Alors, top, bah, c'est terminé. Eh bien, je suis désolé, jeune homme. Nous avons terminé le temps qui était imparti à ce premier jeu. Vous allez nous donner le mot, bien sûr. Oui, pour que vous ayez des lumières, c'est le sel. C'est le sel, bien entendu. Eh bien, maître, nous allons sélectionner, je crois, une seule personne qui, tout à l'heure, en fin d'émission, participera à la phrase de maître Capello. Merci Micheline, vous avez parfaitement joué, je vous félicite. Oh bah, nous reviendrons tout à l'heure auprès de Dominique Sandrel. Passons maintenant à notre deuxième jeu. Jean-Pierre. Oui, nous sommes prêts, Jacques. Nous vous écoutons. Ce Bordelais a vécu une aventure que nous vous demandons de retrouver. Nous l'avons masqué car la vue de son visage pourrait aider Micheline Dax, Robert Oka ou Jean Valton. Alors, à vous de jouer. Merci Jean-Pierre. Bonne chance, monsieur. Micheline, Jean, Robert, alors, vous avez compris. Vous devez oui, quelle aventure. Compris, vous avez trois minutes. Alors, attention, trois minutes. Top, chrono, c'est parti. Alors, monsieur, c'est une aventure qui vous est arrivée. Oui, bien indépendant de moi. Ne donnez pas trop de détails, monsieur. Une aventure récente. Très récente. Une aventure sportive. Oui. Ah. Une aventure désagréable. Fort désagréable. Dont vous êtes sorti blessé, meurtri. Non, votre personne physique, j'entends. Non, morale plutôt. Ah, monsieur, pas trop de détails, je vous en prie. C'est oui ou non, il doit nous dire. C'est oui, alors, oui ou non, monsieur. Oui. L'aventure sportive, monsieur, dans le domaine de l'aviation. Non. De la boxe. Non. De l'automobile. Non. De l'athlétisme. Non. De la natation. Non. Les dominos. Le ping-pong. Non. Le tennis, non. Ah, le tennis, non. Bon. Non, mais cette mésaventure vous a laissé une mauvaise impression parce que vous avez perdu. Oui. Vous avez perdu seul, contre beaucoup. Je n'étais pas seul. Est-ce que c'est un sport individuel? Non. Ah, le rugby. Non, il en reste un. Ah, il en reste un, on a parlé. Le football. Voilà. Voilà. Ah, football. Ah. Bon, le football. Vous avez marqué contre votre camp. Non. Ne répondez surtout, monsieur, que par oui ou c'est par non. C'est ce qu'il vient de faire. Oui, faire. Oui, mais je le sens, il est tout prêt vous à répondre. Vous étiez gardien de but. Non. Non. Arbitre. Non. Mais vous faisiez partie de l'équipe sur le terrain. Oui. Vous avez perdu votre culotte. Vous avez perdu votre flottant, ça s'appelle, je crois. Non. Non. Est-ce que ça vous avez déculotté un adversaire. Non. Non plus. Vous avez confisqué le ballon. Non. Déculotter l'arbitre. Ah, j'aurais aimé. Oui, oui, mais dit oui. Pas d'indication, monsieur. Vous avez été insolent avec l'arbitre? Même pas. C'est lui qui a été insolent avec vous? Mais. Non, non. Vous avez été disqualifié? Oui. Sorti du terrain? Ah, ça, alors il faut oui. Sorti du terrain ou disqualifié? Sorti du terrain. Oui, 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 sorti du terrain. Bon. Pendant le match? Oui. À bras le corps? Oui. Vous avez embrassé l'arbitre. Il y en a qui aiment. Bah oui. Alors répondez oui ou non. Non, non. Non, non, non. Non. Lui, il n'a pas les retours. Ou c'est lui qui vous faisait les propositions malhonnêtes que vous avez écartées. Presque. Presque. Oh là là. Oh là là. Vous avez blessé l'arbitre dans son amour propre. Et dans le mien. Répondez par nous. Non, non. Non. Et vous avez quitté le terrain à la première mi-temps? Non. Est-ce que vous avez quitté le terrain avec l'arbitre? Pardon? Est-ce que vous avez quitté le terrain avec l'arbitre? Il n'a pas voulu me suivre. Il n'a pas voulu. Il n'a pas voulu. Oh, je ne sais pas alors. Pas du tout. Est-ce que l'arbitre était une femme? Top, voilà. C'est terminé. Eh bien, vous n'avez pas trouvé le secret de ce monsieur, l'aventure qui lui est arrivée. Je vais vous dire exactement ce qui lui est arrivé. Je vais vous le dire avant qu'il ne retire son masque. Car lorsqu'il va avoir retiré son masque, vous allez bien sûr le reconnaître. Ce monsieur est entré sur un terrain, dans un match de Coupe de France de football, et en est ressorti, 2 minutes après, mais sans toucher le ballon. Avez-vous deviné de qui il s'agit? Alors montrez votre visage, car là, vraiment, il sèche, lamentablement. Voilà, et vous nous rappelez plus exactement votre nom. Didier Couécou. Didier Couécou,
qui a eu maille à partir dans un match de Coupe de France entre Nice, je crois, et Bordeaux, c'est bien cela? Oui, malheureusement, oui. Bon, et maintenant, comment ça se passe? Eh bien, je crois que j'ai eu, de la commission de discipline, j'ai eu ce que j'ai voulu, c'est-à-dire qu'un seul match de suspension, parce qu'ils ont compris que je n'avais rien fait. Mais malheureusement, dans les règlements, il y a automatiquement un match. Et ils ne veulent pas, malgré les films d'FR3, ils ne veulent pas entendre parler de blanchissage, comme on pourrait bien, dire. Bien, je crois qu'on peut applaudir Didier Kouékou, qui a parfaitement joué. Et qui a mis nos amis en échec. Merci Didier Kouékou. Vous pouvez maintenant, si vous le voulez, participer à la phrase de Capello. Tout à l'heure, en fin d'émission, vous pouvez aussi tenter votre chance. Il y a pour l'instant 100 000 anciens francs à gagner. Et nous allons tout de suite retourner auprès de Dominique Sandrel. Dominique, vous êtes toujours là? Oui, bien sûr, voilà. Et maintenant, nous allons rejouer pendant 2 minutes à notre petit jeu, si je vous dis. Alors voilà Roger. Et c'est Jean Valton qui va jouer. Alors attention Jean, nous sommes prêts pour 2 minutes. Le premier candidat, voilà. J'affiche le mot. Allons-y. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur, dites-moi en 4 lettres, voilà la définition que je vous donne. Quand il est petit, on le voit mieux avec des lentilles. Quand il est petit, on le voit mieux avec des lentilles. Avec des lentilles. Une deuxième définition. Alors, camé. Pardon? Camé. Ah non monsieur. Non monsieur, deuxième définition. Avec un accent ou sans accent, il est épicé. Une autre définition Jean, s'il vous plaît. Et si je vous... attendez, qu'est-ce que je vous donne comme autre définition, pardon? Et si je vous dis que ça a un rapport avec un lac, monsieur? L'Amérique. Atlas. Atlas. Atlas, non, monsieur. Alors, 1, 2, 3, monsieur, vous êtes éliminé. Au revoir, Roger. C'était salé. Salé. Deux places de cinéma. Avec des lentilles, le petit salé. Salé ou sale pour épicer, etc. Bon. Et, bonjour, madame. Mademoiselle. Janine. Bonjour, mademoiselle. Je vous donne également un mot de 4 lettres, moi. Un mot de 4 lettres, si je vous dis que pour l'automobiliste, c'est l'arbre le plus utile. Une deuxième définition, Jean. Bon. Si je vous dis que son transport en est dangereux. Le gaz. Le gaz? Ah non, non. Troisième en 4 lettres, madame. 4 lettres. Eh bien, si vous n'oubliez pas... Attendez, ben, non. N'oubliez pas Léon si vous voulez changer de couleur. Jules. Non, c'est pas ça. C'était Cam. C'était Cam. L'arbre à Cam. C'est terminé, l'arbre à Cam. Et Léon, si un autre candidat, s'il vous plaît, très vite. Bon, décidément, nous avons beaucoup de mal à les sélectionner. Bon. Bonsoir, monsieur, très vite. Attention, là, si je vous dis, première définition... Si je vous dis que il peut, en 3 lettres, s'il peut se permettre de changer de femme comme de voyelle. Non, je vois pas. Vous ne voyez pas. Deuxième définition. Si je vous dis maintenant, à la manière de Coluche, alors je vais vous raconter son histoire. Troisième définition, vite. Troisième évidence, si je vous dis Mick. Plus mec. Fort, monsieur, mec. Plus fort. Oui, c'était mec ou Mac. Mec ou Mac. Mac. Bravo, monsieur, vous gagnez 50 francs. Allez vite retrouver Jean-Pierre pour le jeu final. Il est dans le studio, elle vous attend. Une autre candidate. La candidate était en place. Nous allons lui demander de bien vouloir donner sa... Mais alors, très vite, alors. Très vite, madame. Bon, très, très vite. Alors, si je vous dis, madame, que ça accompagne un succès d'Edith Piaf. En 3 lettres, madame. Voulez-vous répéter la question? Cette dame n'a pas entendu. Si je vous dis qu'en 3 lettres, ça accompagne un succès d'Edith Piaf, madame. En 3 lettres. Une autre définition. Très bon, vite, si je vous dis, par exemple, madame, il faut, mais pas en abuser. Il faut en, mais pas en abuser. Oui. Et si je vous dis à la fin que ça s'accompagne souvent de jusqu'à la corde. En 3 lettres. Oh, madame, non. Alors, 1, 2, 3, tant pis. Désolé, c'était usé, le disque usé, etc. Nous avions tous compris. Bon, eh bien, nous avons sélectionné, je crois... 3 candidats. 3 candidats jusqu'ici. Et nous allons maintenant passer à notre 3e jeu. Micheline? Oui. Voulez-vous vous retourner, je vous prie? C'est une joie. Et vous allez maintenant regarder et surtout noter... Oui. La phrase que vous propose cette dame. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. Voilà, vous notez surtout, Micheline. Je vous signale que cette phrase, vous devrez tout à l'heure la placer dans une histoire dont je vous donnerai le départ. C'est comme vous si vous l'aviez. Vous devrez la placer sans que Jean s'en aperçoive. Bien sûr. Attention. Jean, à votre tour. Oui. Veuillez noter la phrase d'un autre candidat de Bordeaux. Très vite, s'il vous plaît. Ah, bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, et bordelais, décidément. Assez d'humour. C'est fait, Jean, vous l'avez noté? C'est fait. Parfait. Voilà. Robert, à votre tour, retournez-vous. Et notez cette 3e phrase présentée par un 3e candidat de Bordeaux.
Votre nom, monsieur? Eh ben voilà. Monsieur Russe. Monsieur Russe, voyons un peu. Voilà qui est facile à placer dans une conversation. Oui, c'est très facile à placer dans une conversation. Voilà, on retire les phrases, s'il vous plaît. Retournez-vous maintenant. Voilà, vers nous. On n'est plus punis. Et je demande que l'on éteigne l'écran de contrôle qui se trouve devant nos amis de façon à ce qu'ils ne puissent pas voir les phrases qui vont s'afficher tout à l'heure. Eh bien, je vous propose tout simplement d'essayer maintenant de placer chacun la phrase que vous avez notée dans une conversation à bâton rompu. Je vous reconnais bien. Et là, je vais vous donner le départ d'une histoire, une histoire d'ailleurs qui a un rapport avec l'actualité. Écoutez bien. Malgré leur passion commune pour le camembert, la princesse Ginette et son mari, Lord Snowboot, avaient décidé de se séparer car... Micheline ? Car justement, le mari, lui, Lord Snowboot, détestait le camembert brusquement. C'était une allergie qui lui était venue comme ça, bêtement. Il adorait le camembert, subitement, pof ! Et alors, en même temps, l'allergie l'avait conduit à détester aussi sa femme. Tiens. Parce que c'était une allergie communicative. Alors, une fois qu'il a été privé de la dame et du camembert, sa vie... Eh bien, à ce moment-là, il est devenu dresseur de fauves. Il a commencé par dresser les asticots qui étaient contenus dans le camembert, d'une part. Et puis ensuite, il était un monsieur extrêmement violent. Le Lord Snowboot était extrêmement violent. Il avait toujours un fouet. Sa femme n'aimait pas toujours ça. Mais lui, il fouettait sans arrêt. Par exemple, quand il traversait Montélimar, il fouettait des nougats, c'est-à-dire... Il fouettait des nougats, mais aussi, il faut dire que tout le malheur conjugal de ce ménage était venu de une nuit. L'amant de la princesse Ginette avait été surpris par son mari, et l'amant avait dû s'enfuir, et pour s'enfuir, il avait dû traverser une rivière à la nage, car un sauvage l'avait précédé, qui avait fait sauter le pont. Il faut dire que c'était une espèce de canard qui était réducteur de tête de pont. Dans son boulot, d'ailleurs, il était le patron, il était donc réducteur en chef. Ah oui, bien entendu, et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'elle était devenue, à ce moment-là, elle s'était naturalisée russe, cette princesse, parce qu'elle voulait fuir son mari à tout prix. Et pour suivre le canac, elle était devenue tsarine. Elle est dans un mort. Pourquoi, vous savez, les femmes ont des idées. Moi, si je m'écoutais, je vous dirais aussi ce que je suis devenue. Alors, cette tsarine... Cette tsarine, mes enfants, elle a abandonné très vite ce dresseur de fauves parce que, naturellement, il voulait dresser la tsarine aussi, comme il avait dressé sa femme, alors qu'il s'intéressait particulièrement aux animaux. Les animaux russes, d'ailleurs, les animaux... Par exemple, il dressait... Oh, tenez, il avait dressé, je me souviens, un merlan. Il avait dressé aussi sa tante sur le bord de la rivière, là, dont je vous parlais tout à l'heure et sur laquelle je reviens, parce qu'à proximité de ce paysage, l'amant avait une vieille parente à lui qui avait était femme tronc et qui avait liquidé sa baraque foraine et s'était placée dans une église. Dans une église où elle est priée la tsarine régulièrement car elle était restée quand même très pieuse malgré ses avatars. Alors un jour qu'elle était en route pour aller dans cette église prier, cette malheureuse tsarine tombe en panne. Alors elle rencontre le sauvage qui habitait tout près, comme vous l'avez je suppose noté, et elle lui a demandé poliment est-ce que vous pouvez essayer de me dépanner. Et alors ce garçon... Et voilà, justement, ce garçon, il allait chez le dresseur, chez le dresseur, le hairdresseur. D'ailleurs, il était dresseur d'animaux et redresseur de tors, c'est-à-dire qu'il doublait en même temps. Et il avait, je vous disais, ce merlan extraordinaire. Oui, ce merlan extraordinaire qui était un coiffeur remarquable, car moi j'ai été coiffeur pour dames et je vous raconterai ça un jour, que je ne saurais pas quoi vous dire, ce qui n'est pas mon cas ce soir. Et donc ce coiffeur... Alors tout bêtement, lui a dit, écoutez madame, le sauvage n'est pas là parce qu'il n'est pas de service aujourd'hui, mais moi je peux vous rendre service. Vous savez, c'est fou quand même. Alors c'est le hasard, parce que ça c'est vraiment pas préparé. C'était le hasard total. Il lui a dit, madame, je suis à vous. Et à ce moment-là, le merlan dont je tenais à vous entretenir, n'est-ce pas, eh bien, il avait un bâton de vanille entre les dents et il ressemblait à un bolchevique. C'était très amusant parce que quand ça se passait en Russie, ça tombait bien. Alors, il avait donc dressé ce merlan, il avait dressé une langouste. C'est très amusant parce que dresser une langouste, c'est très facile. Hein. Oui, je voudrais vous reparler de ce canac dont vous paraissez avoir perdu la piste. Il faut dire que ce canac avait parfaitement réussi la fin de sa vie. Il avait collectionné les têtes de pont qu'il avait réduites, il les avait installées dans un grand terrain, il les avait alignées, et on appelait ça les alignements de canac. Et oui, alors justement, comme il n'était pas là ce jour-là, le coiffeur a dit, madame, qu'est-ce que je peux faire pour vous? La tsarine a échangé tout bêtement son point arrière contre une pompe à raser, forcément, puisque c'était un coiffeur, c'est tout ce qu'il avait sous la main. Alors à ce moment-là, la tsarine lui a dit, écoutez, qu'est-ce que devient toujours ce merlan? Parce qu'elle était obsédée. L'obsédée du merlan, d'abord, c'est très, très fréquent en Russie. Et alors, il a dit, ben, le merlan, et ma femme est allée chercher des huîtres ce matin, et pourtant, elle était faite au moule. Oui, et le client, s'asseyant dans le fauteuil du merlan, lui dit, je voudrais changer, vous me ferez une raie. Ah, c'est intéressant. Et il la lui a faite, d'ailleurs. Il lui a fait une raie médiane.
Mais alors, elle voulait s'asseoir aussi, la tsarine. Et alors, comme elle avait l'habitude de s'asseoir sur un pouf en tôle, comment ça s'appelle, en tôle ondulée, elle dit, mais écoutez, je ne peux pas m'asseoir ici, il n'y a pas un siège digne de moi, moi j'ai l'habitude d'être sur un trône. C'est ça, sur un trône, et en général, d'ailleurs, elle était en carrosse très souvent, et elle ne pouvait pas stationner son carrosse à cause des aubergines, parce qu'il y avait déjà des aubergines à cette époque-là. Et quand elle a rencontré... Oui, alors, quand elle a rencontré quoi, la fée qui a transformé l'aubergine en carrosse. Qui vous voulez. Hein, eh bien, ça fait une histoire extraordinaire que d'ailleurs nous... Ah, oh, bah écoutez, une histoire extraordinaire que je vais vous raconter, ça va être très simple, je vais vous le résumer. C'était, alors, n'oubliez pas la tsarine, parce que c'est important quand même pour le récit. Le Kanak lui écrivait des mots de billets qu'elle ne pouvait pas lire, forcément, ça savait pas écrire. Et alors que l'aubergine qui était venue habiter dans le palais royal, eh bien, elle s'était prise d'un amour fou, l'aubergine, pour la langouste. Seulement, la langouste, elle peignait les... Elle peignait la girafe. Elle peignait, entre autres. Ce qui lui avait d'ailleurs engagé un certain frais. Ah, bah forcément, parce qu'elle disait, comme tout le monde le sait, il vaut mieux faire, au moins peigner la girafe plutôt que de faire des bêtises. Et c'est à ce moment-là qu'elle s'est mariée avec le Kanak qui était revenu. Et oui, elle peignait la girafe entre autres, et puis elle peignait les aubergines en verre aussi. Parce que c'était un point très important pour elle. Parce que, Eh bien, je pense que c'est terminé. Maintenant, nous allons un peu éclaircir cette histoire qui me semble assez embrouillée. Oh non. Pas du tout. Ah bon, d'accord, très bien. Ah. Je vais vous demander, Micheline, quelle phrase devait prononcer Robert? Je crois que c'était, il était réducteur de tête de pont. Mais qui était réducteur de tête de pont? Ben, je ne sais pas, son Kanak. Son Kanak. Et maintenant, Jean, quelle phrase devait prononcer Micheline? Je sais pas. Tu bois mes paroles. Alors, laissons Jean dans sa noyade. Et Robert, quelle phrase? Moi, je n'ai pas retenu la formulation exacte parce que Jean parle à une vitesse incroyable, mais je pense que ça tourne autour de l'idée qu'il avait dressé un merlan. Oui, un dresseur de merlan et de langoustes, voilà. Eh bien, je pense que nous n'avons qu'une seule gagnante, c'est Micheline, qui a réussi à placer sa phrase sans que ses adversaires s'en aperçoivent. Et c'est donc Micheline qui fait gagner à l'auteur de cette phrase, qui était, je la rappelle, la tsarine échangea son point arrière contre une bombe à raser. Il faut réussir à le faire quand même. Voilà quelle phrase devait prononcer Micheline. Eh bien, moi, j'ai cru Micheline. Que c'est son langage à peu près normal. Oui. Je fréquente Micheline assidûment. Eh bien, le bordelais auteur de cette phrase gagne donc... J'ai d'abord cru que c'était de moi. Gagne donc 50 francs, un peu de discipline, s'il vous plaît. L'auteur de cette phrase gagne donc 50 francs et sa sélection pour la phrase de Maître Capello. Mais avant de passer à la phrase de Maître Capello, retournons auprès de Micheline, de Dominique Sandrel. Je vous prie de m'excuser, Dominique. Dominique. Oui, nous avons un candidat là, qui et cette vous fois, attend. C'est Robert qui joue et qui essaie de sélectionner des candidats. Afficher le mot calumet. Monsieur, vous faites un coup de sonnette, oui, pour... Écoutez bien, c'est parti pour 2 minutes. Robert, c'est à vous. On y fait la grève en 3 lettres. On coupe. Sur le tas. Voilà. Il a gagné le tas. Il a gagné le tas. Bravo, monsieur, il est sélectionné. Un autre candidat, s'il vous plaît. Voilà. Un mot de 3 lettres encore. Autant suspend ton vol, Lamartine. Deuxième définition. Annecy, Genève, Enghien, Bourget et Titicaca. Lac. Oui, monsieur, vous êtes sélectionné. Très bien. Il l'a dit, bravo. Allez vite retrouver Jean-Pierre dans le studio. Un autre candidat. Alors, attendez que je trouve. Un mot en 4 lettres. Ce n'est pas du stuf. Non, je vois pas. Alors, composé de plâtre fin, de chaux et de craie. Enduit imitant le marbre. Pardon? Non, je vois pas. Bon. Vous ne voyez pas? Non. Eh bien, c'était stuc. Stuc. Un autre candidat très très vite. Alors un mot de 5 lettres. Écrivain français. Un mot de 5 lettres. Écrivain français prix Nobel de littérature en 1957. Une autre définition. Cinéaste français réalisateur d'Orfeo Negro. Court et plat. Camus. Oui. Eh bien nous allons arrêter là notre sélection. Nous félicitons nos candidats. Merci Dominique. Et j'espère que maintenant tous les candidats sont réunis auprès de Jean-Pierre dans le studio. Tous les candidats sélectionnés ont gagné 50 francs. Et Maître, nous avons sélectionné combien de candidats? Oui, ils sont au nombre de 7. Au nom de 7 candidats. Merci Maître, je leur souhaite bonne chance pour notre dernier jeu. Monsieur, madame, pardon. Madame. Oui. Jacques, attendez, nous avons encore des candidats qui pénètrent actuellement dans notre studio. Oui. Et la première candidate est prête. Madame, c'est à vous. Bien. Madame, avant de vous laisser poser une première question à Maître Capello, je vous rappelle que sa phrase vaut aujourd'hui 1000 francs. Elle est d'un auteur connu, inscrite quelque part dans un livre de la bibliothèque de Maître Capello. Et vous n'en connaissez pour l'instant que les 3 mots suivants, le, les et « et ». Madame, nous vous écoutons. Maître, c'est à vous. Moi? Oui.
Si vous trouvez un mot, la phrase augmente de 1000 francs. Bon, madame. Bon, j'aurais voulu savoir si c'est un auteur très récent. Très récent n'est pas le mot. Non, madame. Alors, un autre candidat. Monsieur, y a-t-il le mot « pays » dans la phrase ? Le mot « pays » n'est pas dans la phrase. Pas dans la phrase. Un autre candidat. Est-ce qu'il y a le mot « les » l'article « les » ?« Les ». Il est visible. Il est visible, madame. Un second. Un second. Oui. Non, il n'y a pas d'autre article « les » que celui qu'on a mentionné. Non, madame. Monsieur. Bonjour, monsieur. Est-ce qu'il y a le mot « nourrir » ? Nourrir, maître. Le verbe « nourrir » n'y est pas. Un autre candidat. Est-ce que le mot « vent » est inscrit dans la phrase ? Quel mot ? Le mot « vent ». V-E-N-T. V-E-N-T. Non, il n'y est pas. Merci. Oui, encore une candidate, Jacques. Oui. Oui. Y a-t-il le mot « printemps » ? Pas davantage. Bon, merci. Encore des candidats ? Non, Jacques, je crois que c'était la dernière candidate. C'était terminé. Eh bien, nos candidats n'ont pas trouvé de mot nouveau pour la phrase de Maître Capello. Je vous rappelle que, pour l'instant, elle vaut toujours 1000 francs. Et je vais demander maintenant à nos amis s'ils ont eu des petites idées à nous proposer sur cette phrase avec le « lait ». Moi, je crois que j'ai trouvé, tout bêtement. Oui, Micheline, nous écoutons. Oui. Alors, le concurrent aime les épreuves et les lauriers. Allez, oui, 50 c'est pas mal, mais ça ne doit pas être ça, n'est-ce pas? Pas le monument, non. Très bien, Jean. Moi, j'ai mis le soldat aime les faillots et la soupe. Voilà. Trop terre à terre. Je pense que c'est une phrase quand même un peu plus relevée. Un peu plus relevée. Relevée, avec du paprika. Une soupe très relevée. Robert. Non, mais la vraie phrase, la voici. Le président aime les Français et les vacances. Ah, oui, c'est pas mal. Oui, c'est pas mal, mais ça n'est pas du tout la phrase de Maître Capello. Nous sommes bien d'accord. Non, non, non. Eh bien, ainsi se terminent nos jeux de 20h. Nous quittons Bordeaux pour ce soir. Nous retrouverons d'ailleurs Bordeaux demain. Et ainsi que toute la semaine. Et si vous désirez, amis bordelais, participer à nos jeux, eh bien, nous vous accueillerons demain à notre station régionale Bordeaux-Aquitaine, 32 rue Ulysse-Gaillon, à 13h. Donc rendez-vous à 13h si vous voulez vous divertir avec nous à la station régionale FR3 Bordeaux-Aquitaine, 32 rue Ulysse-Gaillon. Je vous signale que nous jouons demain avec le mot de passe suivant. Nous jouons avec le mot délirant. Vous trouverez ce mot dans votre journal Sud-Ouest de demain matin avec une grille pour vous aider. Rédigez donc d'ores et déjà des mots issus des lettres, issus de cet autre mot délirant, des mots de 3 à 8 lettres, et apportez-les nous à notre station régionale, encore une fois, à 13h. Rendez-vous donc demain. Il me reste maintenant à vous dire bonsoir à tous. Bonsoir Micheline, bonsoir Jean, bonsoir Robert, bonsoir Maître. Bonsoir, bonsoir Bordeaux. À demain, 13h, 32 rue Ulysse-Gaillon. Bonsoir Jacques. Demain.